Tintamarre de véhicules va-et-vient des populations dans un scintillement de réverbères. C'est l'image en nocturne que donne à voir le boulevard Latrille dans la commune de Cocody. Les candélabres, appelés communément poteaux électriques, ont été tous rénovés. Ces candélabres sont peints en vert et toutes les ampoules ont été remplacées pour donner une meilleure luminosité. Aujourd'hui, le boulevard Latrille brille de lumière et les voix scintillant de sa réflexion donnent du beau. Maintenant, la nuit, on est heureux pour l'éclairage. Partout où on passe, tout est éclairé. On évite encore les agressions. En voyant nos sous-quartiers, en voyant nos ruelles, en voyant nos rues, en voyant nos quartiers bien éclairés, c'est vraiment bien. Le boulevard Latrille, la Corniche et le boulevard Lagunaire constituent la phase pilote de cette opération qui vise un double objectif. L'embellissement de la ville d'Abidjan et la lutte contre l'insécurité. Nous ferons le maximum. D'abord sur la ville d'Abidjan, nous allons aller aussi dans les sous-quartiers où il y a des candélabres. Puis nous verrons la possibilité d'aller plus loin. Nous interviendrons là où cela est nécessaire. Donc cela peut nous conduire aussi à l'intérieur du pays, avec le temps et en fonction de nos ressources. La CIE devra toutefois faire face à ce qui apparaît comme des freins à son action. D'abord les vandales qui s'en prennent aux candélabres. Ensuite l'invasion des affiches qui enlaidissent le décor de beau que donne à voir la colonne de candélabres sur toutes les artères d'Abidjan qui sont concernées par cette opération de rénovation.